Nous recevons spécialement aujourd'hui Monsieur Mboba Bossiakali Andy, qui est directeur général du groupe BOS International SARL. Avec lui, on va vous donner le temps de comprendre, d'en savoir plus sur GBI, parce que c'est très capital et moi je ne prendrai pas sa place pour vous donner de plus amples détails. Alors, je tenais là à vous saluer tous et merci à toute l'équipe aussi. Monsieur Mboba Bossiakali Andy, Bonjour. bonjour. Je vous dis bonjour aussi. Encore un plaisir pour moi d'être là parmi vous ce matin. Très bien. Alors, nous allons tout au long de cette émission vous connaître, donc connaître ce que vous faites, parce que d'abord, GBI, ça intéresse les Congolais, ça intéresse le monde entier. D'abord, c'est quoi GBI et quelles sont vos différentes activités? Voilà. GBI, c'est mon bébé que j'ai caressé depuis tant d'années. GBI, en toutes lettres, ça veut dire Groupe BOS International. Donc, c'est un ensemble d'activités que j'ai mises au point, rassemblées dans le groupe, parce que le groupe a plusieurs domaines d'activité. Notamment, ce qui est principal, c'est l'activité d'expédition import-export des matières premières congolaises. J'ai estimé que notre pays, c'est un pays riche dans le monde entier, nous voyons que le Congo est à l'affût de plusieurs centres d'intérêt. Alors, j'ai travaillé dans la Chambre du commerce de la RDC France et j'ai vu comment les Européens, les Français en particulier, aimaient le Congo et ils voulaient retirer des choses au Congo, notamment les matières premières, et faire diverses activités commerciales. C'est ainsi que je me suis spécialisé dans les matières premières. J'ai cherché à connaître comment ça se passe et puis quels les tenants et les aboutissants. C'est ainsi que je me suis mis à expédier, importer, exporter de l'or. Donc principalement, maintenant j'ai fait aussi les coltans, le cobalt, des diamants, j'ai fait tout. Parce que j'ai estimé que le Congo a une offre à donner à l'étranger, à l'international, et les Congolais doivent tirer leur épingle du jeu. Voilà pourquoi je suis spécialisé dans ces domaines. Donc, ça fait déjà presque 4 ans que je maîtrise un peu les systèmes, comment exporter les matières premières du Congo vers l'extérieur, notamment la Belgique où je vis actuellement. J'aimerais savoir, parce que vous êtes un groupe, vous êtes le directeur général, qu'est-ce qui va motiver, qui pourra motiver vos clients et quelle est la particularité des GBI en faisant peut-être en faisant une comparaison avec d'autres groupes qui émergent dans le même sens que vous? Ma particularité d'abord, c'est que je suis patriote. Moi, je fais la fierté du Congo. Je vends le Congo à l'étranger, même sur le plan tourisme, parce que j'ai aussi cet aspect tourisme, voyage, agence de voyage. Moi, je vends le Congo. Je suis un patriote. J'aime bien que le Congo soit bien présenté dans le monde entier. Et je suis sérieux quand je prends mes engagements. J'ai des collaborateurs sérieux, des hommes d'affaires français, belges, marocains, avec qui je travaille principalement, même d'autres pays, même des États-Unis, qui me font confiance et qui me donnent leur argent et qui me laissent travailler pour leur amener leurs produits. Donc, on est sérieux avec mes équipes, notamment avec, je travaille avec mon frère qui est gérant des GBI RDC, Yves Mboba, qui est un banquier ici à Kinshasa, et puis c'est un homme de Dieu. Donc, nous faisons en sorte que les Congos soient pris des manières sérieuses. Donc, quand on fait un deal, un commerce, et jusqu'à la fin, qu'on puisse respecter les clauses du contrat. Au respect de façon scrupuleuse du contrat et de l'engagement pris. Je suis ce qu'on appelle, je suis allergique au texte. En fait, tout ce qui est mentionné dans un texte, dans un contrat, j'aime bien les respecter scrupuleusement parce que je suis un homme d'État, à la base. Alors, oui, ce travail, ce n'est pas un travail très facile, hein, parce que vous savez, l'expertise, vous en avez. Avez-vous des professionnels qui savent comme ça détecter et aussi faire le travail comme il faut, et la population autochtone, parce que je ne sais pas si vous êtes dans l'exploitation aussi, vous travaillez aussi au niveau de l'exploitation, parce que c'est aussi au niveau de vos personnels. Est-ce qu'il y a des experts à la matière? Ils sont
tous professionnels, voilà. D'abord, j'ai des experts parce que vu que je vis en Belgique, mon associé principal, c'est monsieur. C'est un ami de longue date, ça fait bientôt 10 ans qu'on est ensemble, Cyril. Je sais, il a une société belge qui est spécialisée dans le domaine des matières premières et il fait aussi d'autres choses. Et lui, c'est lui qui m'a donné les goûts en me disant, on dit, tu es mon ami, tu as des opportunités, je mérite que tu puisses travailler avec moi dans ces domaines. Et j'ai fait des formations en ligne et en Europe, ça fait que je me suis spécialisé. J'ai des collaborateurs européens, des Français, des Belges, des Marocains qui travaillent avec moi, des spécialistes. Et j'ai récupéré auprès de moi des étudiants que j'encadre dans les cadres de l'Université panafricaine ou bien tout ce qui est étudiants. Je les ai amenés vers moi pour les spécialiser aussi dans le domaine. Parce que je me suis dit, si nous qui sommes propriétaires du Congo, les matières premières congolaises, c'est inacceptable de voir d'autres personnes qui soient experts en ce qui nous concerne. Et pourtant, nous-mêmes, les Congolais, nous soyons là comme des spectateurs. Donc, ça vous préoccupe aussi. Par moment, quand vous attendez que notre pays prend la première position, en fait, nous qui sommes producteurs, nous qui en avons de façon extraordinaire, scandale géologique, et nous ne sommes pas premiers. Et d'autres pays qu'on n'aura on aura même pas le temps de citer, de citer leur nom, mais ça fait mal. Mais nous, le Congo, qui sommes producteurs de coltan, or, tout ça, cobalt, mais un pays voisin devient premier producteur. Il se présente comme si c'était vraiment ces pays-là qui détenaient tout ce que nous avons comme scandale géologique. Et je n'ai pas honte de les dire, je les dis tout haut, parce que je suis conférencier, j'ai l'habitude d'organiser des conférences. C'est le Rwanda qui est cité dans ces panels. Il y a eu des rapports des Nations Unies, des rapports crédibles, mapping et autres, qui confirment et attestent que le Rwanda n'est pas producteur des éléments qui brandissent comme étant producteur. C'est déplorable d'avoir des responsables politiques qui, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à prendre les choses en main. Mais moi, je l'ai dit que les choses vont changer parce que nous sommes une nouvelle génération. Personnellement, je suis leader dans ce monde. Je crois que dans ces domaines, d'ici peu, on va changer la vapeur. Nous sommes producteurs dès lors, coltan et autres, cobalt. J'étais au Maroc, j'ai négocié avec une entreprise chinoise qui a ouvert une usine à Tanger. C'est une usine de batteries et qui a besoin du cobalt en grande quantité. Et j'ai fait des pourparlers avec eux. Et les choses sont en cours pour pouvoir produire et exporter du cobalt au Maroc. Si des pays amis comme le Maroc, la Chine, savent que nous sommes propriétaires, et en offre, quand je parle en offre, c'est loin des caméras, qui nous disent, mais comment ça se fait que Bino Bakolo Biloko, Moka Moka Moki, Babengango Moka Moki, parce que moi j'ai vécu à Goma, Nakena, Rwanda, je connais le pays, c'est notre pays voisin. Mais mon conjoint Azana Mbokana, Azana attitude, il y a hégémonie. Bon, Azo croire que non, il y a un petit pays, c'est bon, on va faire ça, David, Bissot, va Goliath, et Sengili, va dompter Bissot. En fait, ça, c'est un mauvais calcul, parce que, à côté, il y a un malin monté peut-être au départ, mais moi, je suis un patriote, je suis de la race de mon grand-père, bon, bah, il va comprendre, on ne se laisse pas faire. Donc, beaucoup de Bissot, tout ce qui est notre. Héritage, Ezala, héritage économique, politique, culturel, doit revenir au Congolais. Yango Nazolo Bango tout haut, que Mboka Oyo, dans peu de temps, écoute Téléma comme l'éléphant qui était à l'Alaki, mais à Téléma Pona, Azwa, à l'Urnaé, comme un pays qui peut remonter à Afrique Mamba. Oui, monsieur Mboba, on dit, de GBI, vous faites aussi. Partie de ceux qui pensent à la population autochtone, parce que vous savez, très souvent, l'exploitation se fait, mais la population autochtone ne se retrouve pas. Oui. Alors, vous travaillez comment? En collaboration avec la population autochtone, ou bien vous travaillez au détriment de la population autochtone? Moi, au départ, j'étais dans ce qui focalisait seulement, n'a pas produit presque fini. Nazuka ba lingo d'or, j'ai négocié ça, n'a même. Mais après du temps, n'a comme qu'on comprendre que non. Je ne vais pas me limiter à Balengo, Kakanazui, matière première ici, Bongisi, à expédier. Maintenant, je commence à attaquer l'achat, il y a carré minier, avec mes amis, mes associés. Donc, ceux qui sont là-bas, carré minier qui nous appartiennent, ou toujours gérés, les autochtones ont des droits, parce qu'il y a des textes qui régissent le fonctionnement. Il y a un carré minier selon le ministère à mine.
et puis bah structure nous au gouvernement tient en place pour nous accompagner domaine voilà. Donc ils ont la part moi que revenir pour na bah autochtone bah il y a région voilà bah ça bah ça côte par na bango. Mais ce qui est déplorable c'est quoi bah responsable technique ou politique au basal na quatre région voilà des basali honnêteté. Imagine toi ngai va payer singa na fouti tamso $1 million parce que n'a exploité autant. $1 million nga na payer na maboka l'état. Mais Moutou a géré fonctionnant à l'État. Il y a 500 000, il y a Yemoko. A tiki 500 000. Si il y a vraiment la souka, tant que c'est 200 000. Ce que, bah, colo terwana, bah, avec les arbres, parce que tant que c'est un carré minier, on détruit aussi l'écosystème. Bien sûr que oui. Parce que, bah, tout le monde se mine dans les obéba, parce que tout le monde utilise, bah, engin. Donc, il faut soit, bah, déplacer Bango. Bah, tout le monde. Quand on est la cité. La cité. Parce que l'argent y est. Je vous parle des choses qui sont prises. Oui, moi, on a donné bah, plutôt. Exactement, plus que même. Pour que tu aies cité, puis tu aies cité pour la banque. Mais pour confier, moi, il y a un responsable politique local. Mais ces messieurs, ils prennent l'argent à lier un dégayé à CPL. Ce n'est pas mon rôle. En tant qu'un homme d'affaires, c'est l'État congolais qui est responsable. Bah là, de la bateau, oh bon, bah tchèque, bah, le coup, là, bah, responsable local, dans le pays, dans en fait, la bah, région, là, pour là, bah, accompagner Bisson, dans l'activité de Bisson. C'est ainsi que Ngaï, personnellement, je me suis dit, ceux qui n'ont pas les cas hommes d'affaires, bah, tout le monde va en profiter. C'est ainsi que la commune a posé ça, que Ngaï peut être dans le domaine politique, pour là, sanctionner bateau, oh, bah, au temps de la malamouté, parce que ce n'est pas normal. Bon, ils ont payé ça, mais bah, 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 taxe, il n'y a pas, il y a autre, il y a un autre, il y a même permis d'exploitation, tout. En ordre. En bonne idée. Donc DGI, vous êtes en ordre de la Bloc-Union. Groupe Boss International en ordre. Donc je suis, j'ai même des documents légaux à Maroc. GBI. GBI. Je suis même au Maroc, j'ai ramené des documents légaux à Maroc. Je viens du Maroc là actuellement, depuis le 10 juin. Même au Maroc, je suis implanté, j'ai des documents officiels. Nambo Kalanga, ça fait depuis 2019. Donc à un moment donné, tout ça, il y a un mois de trou parce que avec le Covid, mais après le Covid, je me suis décidé, non, je reprends les choses en main. Donc on a envie vraiment, Yakosa, des grandes choses pour notre pays. Et il faut que, dans un exemple, un domaine dans lequel que j'ai travaillé avec GBI, en 2015, c'était avec la SNEL. SNEL Nabiso Oyo, déjà à l'époque, est mort, puis à son âme. En 2015, qui était le DG à la SNEL, on a eu un contrat de 130 millions de dollars. Et ça a été pour nous courant dans le Kolwezi, dans le Congo, et qui dans le Solwezi, dans le Zambie. Alors, le rôle de ma société, on a eu Kinaï Charignon, qui était mon partenaire. Ils allaient pour ça la transport y a courant pour somba pour ça la nani ba nani tout ce qui est métallique au yopo na basa la transfert à courant un grand projet imaginez-vous au yopo na projet n'engon na pona mboka bon je dis merci à l'ancien premier ministre Matata Ponyo que j'ai connu en Tunisie qui nous a facilité la tâche sur le plan administratif mais mon frère aussi le gérant de GBI RDC Yves Mboba avait aussi managé à niveau n'importe na tous les accords on a signé des accords mais beaucoup à niveau Moroboye. Certaines personnes qui se croient tout permis, ben c'est bien que non, il faut pas 5% dans le marché, on a besoin de 5%. Basali nini pour yozo 5%. Que tu sois ministre, que tu sois je ne sais pas moi qui. Donc rétrocession. Rétrocession. Et comme il en mollo. Donc ça bloque aussi. Mais développement pour la mission. Énormément. On doit se dire même 64 ans après l'indépendance. Mais donc ça c'est révoltant. Ils allent pour la l'Albanie virus. Ils allaient virus, on peut le dire ainsi, mais virus, moi qui suis informaticien, virus c'est contre un ordinateur. Antivirus, faut antivirus pour retirer. Il faut que l'on l'aille. Parce qu'ils allaient que baby, ça, sinon, bah, fichier, c'est importé au bunga. Parce que bah, investisseurs au bazoya, on les décourage après. Pourtant, ils viennent, bah, dans un milliard d'abord. Parce que moi, j'ai vu des gens, là, je viens du Maroc, il y a un investisseur qui est Amissi Ali, qui, avec qui on a un grand projet, ils ont 2 milliards. Mais dans quel secteur on va investir? Donc, on a canalisé, on le place une au quota. Mais ce que imagine-toi, dès l'instant où tu as commis à Kinshasa, à écrire la visite, à côté de la ministre de domaine, où il y a l'énergie, je peux parler de mine, rien que visite, il y a ministre a dit pour Ayambaye, pour payer 500 000. Il y a un ministre, il y a mine, ou un ministre de l'énergie. Nous avons un projet pour le développement Mboka. Il y a Mboka. Pour Ayambaye, il faut payer ça aux 100 000. 100 000 dollars. 100 000 dollars. Natuni Moutou Aïe Sengali Kamouan, FC, monsieur. Est-ce que vous êtes normal? Donc, pour tout le ministre, vous vendez pour Naïe dans Moutou, non, et que le canal télévision, il n'a pas besoin de le canal télévision. Son problème, c'est à Koutana, il y a un domaine où on a expliqué mon projet Naïe, et puis vous accompagnez, parce que moi, on est un milliard, on est un copain, ça m'a dit, on est un Congolais. Est-ce que vous comprenez ça?
Déjà, Azar Tamso, il est député, un salaire à député, a comme ministre, a comme salaire ministre. Azar Tamso, il y a un bon ministère, mais il veut encore demander, pour Akutana, un investisseur, il faut Ngaï Moutounaïk au démarché, n'a pas 100 000. Parce que ça arrive, ça se trouve, on a un investisseur. Je dis, les ministres demandent au PCS 100 000 dollars. Est-ce qu'on dit, on laisse tomber? Bon, ma marché, ils ont toujours peur d'amour. À cause de la rétrocession. Exactement. Il a dit délinquance d'un niveau, il y a autorité politique. Il faut Bazala sanctionner. GBI. Oui. Spécialisé dans le domaine, il y a exploitation, la vente. Hein? Non, oui, exploitation, la vente. Nous avons même un côté forestier, où on a toujours travaillé en haut, on bientôt, tout le temps, le terrain, la au Bazamba, ça aussi, on travaille dessus. Donc, tout le temps, le domaine paye à voyage, je m'occupe des touristes. Donc, moi, je parle plus, avant le voyage, tout le monde, il y a exploitation, il y a bois, il y a forêt. Oui. Mais, habitez, c'est quand même, notre logique de travail, Nabino, tant que vous allez qu'au Katabanzete, est-ce que vous songez rappeler dans la politique, il y a reboisement? Exactement. Ça, c'est l'une de. Comment je dirais? Parce que dans mon la vidéo, mon akala, il y a un basoko, l'exploitation, il y a bois, la société chinoise, ils ont 4 banzetés dans les petits sioux. En désordre. En désordre. Bah, ça, le système, il y a quoi? Reboisement, vérité. Il y a reboisement. Ça, c'est dommage. Ils ont incombé à l'autorité politique locale. Parce que. En ministère environnement, je salue Maman Bazaïba qui est notre ministre environnement. Maman Songoli, elle a l'ingé le colin goutou, mais gagou tout. Couleur ça, maman a l'exploitation illicite. Maman Azo Télémélango. Azo Télémélango. Maman Songoli, F. Bazaïba. Parce que Nga Naza, je ne vais pas le cacher, Naza cadre à MLC, donc j'ai eu des responsabilités dans le Maroc, dans la France, dans la Belgique, là où je suis. Nanandara Maman, l'émission de Sassala, Nanandake. Donc j'apprécie ce qu'il fait. Bissomoro Tozo, par exemple, Ngaï, en ce qui me concerne, ma société, tu établis en haut. Comme les alliés en cours. Donc, tu n'as jamais qu'à exploiter sans prévoir la semaine que tu réboises. La génération, il y a. Et qu'il y a bon vivre en Ngaï. Il faut que Bango ne soit pas profité. Tant que tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu plantes un peu dans la cima, pour que tu aies un relève dans Bango. Alors, vous avez dit, pour que tu aies un Koutanabino, est-ce que vous avez implanté partout? Vous avez des bureaux, invité, vous travaillez comment GBI? GBI actuellement à Kinshasa, tous les bureaux Kala, on avait perdu des bureaux parce qu'à un moment donné, tous les moi, c'est ça, en fait, pas cette sensation d'activité, mais on a eu un problème avec le Covid dans la vie. Donc moi-même au niveau de l'Europe, j'ai eu des soucis perso, et ça veut dire que non, on a mettre les choses en berne, mais n'est qu'au répondre. Donc je propose zone sa GBI. N'est qu'au relancer GBI dans la RDC. À relancer GBI dans la RDC. Ouais. Donc votre présence, déjà avec ça. Les GBI, ils ont l'amour. Ils ont sait quoi. Ils ont sait quoi, Penza. Et comment ma casse? Parce que Nana va financer à ma casse. Quand je parle des milliardaires, ce sont des milliardaires confirmés. Donc, déjà, on peut déjà vous féliciter. Merci beaucoup. Avant même Magamou Iban. Merci, parce qu'il y a de l'encouragement. Parce que Béfort, on a salié. Je vous dirai une chose. J'ai un enfant qui vient de naître. À Boutami, en Belgique, dans Popering. Qui n'a pas encore bientôt un mois. Mais on a passé le temps dans le Maroc pour le cas investisseur. J'ai même des problèmes dans quatre vies des familles parce que tu donnes plus d'importance à Moussala, qui est aussi mon bébé, par rapport à la vie des familles. Mais j'ai dit à ma femme toujours, fais-moi confiance. Parce que tant on a reçu Misolo, Marmoué, Ovanda, et ça reste un Onaïo, Nayaban. Parce que GBI, c'est mon bébé aussi. Donc, à comprendre. À comprendre. GBI voyage. Parce que les gens qui ont été en train de se faire pour les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de voyager, hein, ça c'est très capital. Et le loyo, mi beaucoup dans la mikakatano. Alors, on a invité GBI et ça la ningi pour nous faciliter votre voyage. Est-ce que vous avez le colaba sousou, toté? Nous avons ça la GBI est simple. Donc, il y a beaucoup de sociétés ou bien agences de voyage de par le monde entier. Tout ça, la facilitation des visas. Parce que nous sommes. Habilité, tout ça, la expérience, il y a qu'au faire voyager parce qu'on est le bandamboka. Il y a des voyages qu'on organise, des voyages d'affaires, où il y a chambre de commerce, et concerné qu'à bah, homme d'affaires, bon, et ça, là, bah, visite à l'étranger, toujours quoi accompagner Bango, poser la Bango, visa, qu'au faire découvrir Bango, faire aux Alibanda, soit intéressé, et puis tout ça, il va faire ensemble, bien sûr, toujours retirer bah, dividendes dans le. Il y a l'aspect aussi, il y a tourisme. Nous sommes allés à Kinshasa.
Ataka na kina, anvia ki beta tour na goma. A évité comment faire. Na ko accompagner, ndé na somba biya ki na goma, a viri, a donc atala tamso su, nani, moi je vis à goma, donc, na ko la ksaïva la, amona, ayoko la kana sango, polkan. Taka na Congo, na ki tourisme na Congo. C'est aussi un aspect. Ok. Après, il y a l'aspect international. Ok. Au lingi, au kendomo, la place, bakunda kondom mobutu, grand-père. Na, rabat. Ça, il demande na yo, tu veux aller pour combien de temps? Oh, on a l'ongwa Kinshasa, to Bouende. Pour m'tana na Kinshasa, m'tana na Bouende. Bouza na primauté, parce qu'il faut l'ongwa Bouende comme la Kinshasa. Mais où est-ce na Kinshasa, à ta direct, ok, Maroc, séjour dans une semaine, mode d'hôtel, l'ongwa Vanda, il y a 5 étoiles, 2 étoiles, donc tout ça, c'est, et ça, na Katia, et c'est catégorisé. Bah, ça, il y a un projet na yo, bah, paye sur facture na yo, pour ni, à Ofuti. To qui fait visa na yo, séjour dans le Maroc, au moins, ni passe pas comme dans Mobutu, sauf que mon ami Mobila Dao, au moins, au visiter pays ambassade d'ambition en Rabat, au Tambo na Casablanca, au Kenya Marrakech, au Zongi, les lots sont au Kenya France, au Kenya Belgique. Chaque pays, ils ont un budget d'ango, chaque pays, ils ont un mode d'ango à suivre. Ça, c'est notre spécialité. Personnellement, moi, Nazar Rodé, donc pour accompagner yo, ah, on a Kinshasa, vu que donc Nazo pour remettre les choses à, donc à plat, Nazar a un partenaire Moko Dream Holiday et donc Arcade, ils ont agence de voyage, mais à d'autres travaillent Nangai pour l'instant, les temps qu'ingai dans un immeuble Nangai Moko. Donc c'est le monsieur Shahad Hamad Azali Indien. Lui c'est mon associé. Pour l'instant, on travaille en partenariat, les temps qu'ingai na tiens ni bureau dans mon personnel. Mais tous ont la possibilité au même au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde. Tu donnes ton projet de voyage et nous on vous donne la facture. Et tout ça, il nous a dit en bon et défaut. Vous allez déçuter. Très bien. Alors, ce qu'il faut tout catégoriser, au bi voyage à tourisme, ce qu'il faut voyage à l'étude, on a besoin de ça en parce qu'il y a aussi un problème à bourse d'études, et ça pose problème aussi. Bah, soit aussi un déplacement pour la santé. Alors, nous avons besoin d'un voilà. Voyage à santé, pays, santé, pays, allié important parce qu'il y a des lots. Le Maroc et la Tunisie, baza ba pays où baza na expertise na niveau santé à moindre coût. Même les Européens, nous avons quitté l'Europe avec les soins médicaux na en Maroc, tout na Tunisie, parce qu'ils ont les mêmes médecins, mais coût les a moins cher parce que les étudiants tous les médecins ou baza qui exercent na Tunisie tout na Maroc, baza tangi mingi États-Unis et en Europe, donc baza qualifié. Mais baza na bambo kana bango et baza facturer moins cher. Parce que tant on monte à santé, à première santé na Maroc par exemple. Hôtel à refouter est moins cher par rapport à ce qui est en France. Même opération, mais sauf que qui est en gros en France, il est plus cher parce que coût de vie en France, tout à Belgique, c'est l'icolo. Mais sauf qu'il est en Maroc, a eu même soin, mais à moindre coût. Et ça, là, que non, c'est avantageux. Il y a aussi un moutoyer pananga à l'objet d'une agence à GBI, à qui n'est pas la raison de santé. Nous préférons ceux qui spécialité au Yalinga Alanda. Ils appellent le Maroc, c'est autant qu'il y a le Maroc ou la Tunisie, parce que c'est mieux, parce qu'il y en a besoin, il y a guérison. Donc, aux ambassades, on a les mêmes soins, mais à faible coût, et puis tu profites du tourisme, parce que les malades, c'est bien aussi à Tamboulara. Tant qu'on est pour la santé, soit on a force physique, tout le déplacer au Tamboulara, pour profiter, n'a tourisme, n'a problème, donc on a soin de santé. Alors, pour le voyage des études, au bas, on a besoin de bourse, c'est comment est-ce que l'université en haut vous avez la connexion côté Kuna, vous avez la contact côté Kuna, parce que ça aussi c'est très capital. Oui, Naza, vraiment, na panel Nanga, j'ai au moins plus de 60 universités dans le monde, avec qui que j'ai, avec les temps où on a ça dans le domaine Oyo, j'ai noué des bonnes relations, vraiment d'entente, de respect. Et puis, d'autres, vous avez même une université en Oyebi. Oui, Naropé, ça, Naropé, il y a ULB. Université de Bruxelles, donc de Bruxelles, na Lyon, sans ça va, l'université phare, hein, mais Zébélé, na Lyon par exemple, na Mokananga, la France, et allé à l'université catholique de Lyon, hein, UCL, et Toké na ba Mokalourou Maroc, na Out na Marrakech, UPM, université privée de Marrakech, et Collège La Salle Canada, donc Bazan à Canada, Bazan Espagne, Bazan à Maroc, Bazan à Bazapé na Montréal, Bazan à Canada, Bazapé na Australie, na Melbourne. Bah, université Esa et Belé. En France, il y en a beaucoup. En Belgique, il y en a beaucoup. Donc, d'un côté, on a gagné sauté. Alors, pour ceux qui n'ont pas de moyens, au Bani Batanga, dans l'université, on a, comment GBI et procédera. Parce que, bah, on peut avoir la poussée au Tanga, mais bah, on a pas moyen. Est-ce que votre agence, a la possibilité, capacité, on a, il y a un peu de espoir, on a.
Oui, parce que tout ça, on a volé mon coût social. Parce que moi, je suis un homme qui a du cœur. Si tu me bénis dans mes activités, je vais aussi aider. Dans l'activité dans la commerciale autre, notamment il y a matière première, ce que vous allez faire à bien, moi, je vais te révéler. J'ai estimé, donc celle devant ma conscience et devant Dieu, que nos causes soient jeunes ou à un potentiel, C'est comme mais. l'église, c'était quand même. Non, le social n'est pas l'église. Tu n'as vu, mon témoin, on les a existé, ils ont. Non, non, c'est personnel, On je suis va pas chrétien. bon mot. Ah, L'apôtre là, est ma bon. ça va très bien. Je suis né comme ça, j'ai un Un cœur, homme bon. un homme bon. Très bien. On dit comment il fonctionne. Moi, j'ai donc on dit Ah, très bien. Mais c'est un cœur, c'est Dieu qui m'a fait ainsi, donc je n'en peux rien. Très bien. Alors, n'est-ce pas capable, il y a qu'à expliquer moi. Aux gens pas moyen été, bah par nous bazar pas moyen été. Non, on peut ça comme co banal. Mouton qui est un anniversaire sur sa cour net UPM. Selon la catégorie dans la classe, autant il y a formation, tu peux payer 12 000 euros, rien que pour l'année. Parce que imagine-toi, ça a 5 ans, ça fait 60 000 euros. Vous avez un bon 60 000 euros, par an, à Kinshasa, un parent ordinaire, après ça, on atteint 60 000 euros. À Kinshasa, c'est un là pour 100 000 euros. Dans le secteur, il y a un combattant au bandage, il y a un million, mais dans le bambou, comme ça, au sol, qui est dans la Bible, on a 60 000 euros, 100 000 là pour tonger le pango. Mais, bisous, tout ça, libre. Tu le dis, avec les accords que j'ai avec les universités, moi, je peux faire ceci. Nazui mon anga, avancer une partie. Le rôle à Moutouana, à condition précaire, il y a des documents où présenter dans l'université, dans le pôle social, dans le pour évaluer le dossier à Moutouana, moi, je n'ai pas moyen de payer, ça y est, payer, bourse. Ok. Donc, à quoi bénéficier bourse, mais grâce à ma contact Nanga, na bolingo nanga na tchi en place parce que ça na bat musu ba sala raboy azu bourse ya sur ba ko ka belanga ba bourse on dit nandé to sali ba faire bo topé sur 5 bourses gratuites nga le remonter normalement parce que nga il faut lancer des armes d'affaires j'ai des employés j'ai des collaborateurs faut ta bango mais na rose atem deux bourses sur les 5 na bi bon parce que j'en ai plusieurs na bi deux moko na opé sango mbeka pa na nzambe na zu deux personnes gratuites na bi lourara billet na yo y avion mais nga na opé so bourse pour qu'étant en fait mais ce qu'on s'y classe na yo aux gens n'y ont pas GBI. Donc, conscience n'est pas sale. Conscience n'est pas sale. Merci, au moins, on a 4 ans déjà, on a mis ça en haut. On peut le saluer, on Batamalam Bazali. va rétrocéder. Batamalam Bazali, vous soupez, au bien, on a téléphoné, on a aussi écrit un téléphone. Au bien, on a bien, on a beaucoup la ligne. Est-ce que. Pourquoi tu as dit qu'il y a été? Après, on a dit qu'il y a battu. Conscience n'est pas là. Il y a un autre chômage à la Kinshasa. On a la perspective d'avenir. Mais moi, on a ça l'effort pour la positionner dans la vie. D'où je parlerai dans le domaine il y a sport. Parce que tout ça, là, on peut nager. Il y a toujours un rade à voyage. Même sport. Oui, il y a des joueurs, des talents. Mingi, plus dans le football, mais d'autres disciplines aussi. Là, mon talent, un joueur, a un talent bientôt, mais qui est au moins qui non, a un avenir. Mais a un bon côté, va parler, a un bon côté. Et qui passe à voler, a un bon côté. Mais un gars, on va contacter, on a un jeu. On a mis tout le temps au Maroc, on a Tunisie, parce que là-bas, on a des académies. De foot, Oyo, tout ça la collaboration, à travailler pour attendre cependant 6 mois ou une année pour niveau naïe et mata. Parce que football, sport, il y a Afrique du Nord, na Afrique, il y a Seboué, ils appellent un décalage. Les installations, coaching, Nabango, ils allent et ça, question que tu as salé une année. Nabango, quand on a, à combien de temps tu habites en Labouto? Donc, facilement, la cause, vous voyez, c'est qu'on a mis, mais à quel ça va ce qui a réussi. Et qui basé quelque part, j'ai un contrat qui stipule que tant on a autant de pourcentage, c'est pour moi, pour GBI pendant 5 ans. Alors, pour les artistes musiciens, oui, pour les on artistes. appelle au GBI. Maka Sinazo, produit ouvert par la grâce de Dieu, sur qui m'a remetté à Bolivien, dans le 27e, il y a Liwa, il y a Maréchal, en père, dans le Maroc, dans le mois de septembre, où il reçoit la Robé dans le Maroc, ils appellent production artistique. Donc, je vais nommer ma comédien. Même les comédiens aussi. Oui, parce qu'il faut comédie va faire le corps président pour nous en a besoin à Mouzé, nous en a besoin il y a Joseph Kabila, nous en a besoin il y a Fatih, nous en a besoin il y a Yemour Maréchal, Bazo qui représentait Bango dans la comédie. Il faut spectacle et salimat. Après oration, on a bêté. Pour ça, on peut visiter à Tombe et puis tu peux parler sur le Congo. Mobuta qui est une conda qui est Atikani. Et là, on y a fait ça à Salaté. Ma chose, Balobi, pour les moi, non? Coco et Mobutu, on a profité de l'occasion, là. Mobutu, un bac qui. Bateau,
famille Mobutu, Bandekonae, Siri Moko, Ovaki Mobutu, Abanae Komena Makila. Alors on a habité la Yangaina, Yoko Konae, petit-fils, hein? Quoi, confirmant, a eu ça qui est qui. Fouille mon fouille ma mère, oui, fouille ma couleur rouge bleu. C'est ma culotte, mais là, qui les fouille, là, nous, mais là. C'est pas si vous pouvez confronter. Nalanda, dans le documentaire, Natal, on presque chaque semaine, non, Mobutu roi des Aïe. Nayoka, papa, Nabiso, vous avez ministre pour l'information. Ouais, c'est ça. Moi, je n'aime pas trop citer les noms des gens, mais les gens savent. Ça combine, non, à l'objet qui est Yamuna, grand-père, la verre. Non, mais non, qui l'a. Mon grand-père biologique, c'est le colonel Boussiakali, mais qui est cousin, le roi Mobutu. Parce que c'est la génération, mon con. Yé, ça combine bien à Mona Mobutu, la verre, à Zomila Makila. Il y a eu Tamona qui est en Wapi, basé bon, balé, n'a évité. On a spéculé beaucoup de choses sur Mobutu. N'a pas le Kuta, n'a pas le Solo, mais Mobutu, à ça, son abon, moi, il à se défendre. Exacté. Mais j'ai une question à poser aux gens qui critiquent Mobutu dans ce sens, qui est sanguinaire. Est-ce que les lots, depuis Mobutu à Kenda, la vie humaine au Mobutu à protéger, ils ont couffé les lots. Vous préférez voir la souveraine à Mobutu, tout le monde à la souveraine à Bato Bazo Kamamboka, les lots, Bandou Kamamboka, Utaya, le moins à Bokonzi. Il n'était pas sanguinaire, moi je peux l'affirmer. À sa erreur, il était humain. Mais c'est que Mobutu a donné de sa jeunesse, de sa vigueur pour les Zaïre que nous héritons aujourd'hui. Sauf que Mobutu était Azaïre qui est sanguinaire. Bon, peut-être c'est un militaire. Dans l'armée, il fallait qu'on repousse un ennemi, il fallait qu'on réunisse Mboka. Mais en aucun cas, ça c'est à mon humble avis. Et puis avec ma toute conviction, Azaïre qui est Mboutamisananate. Il a été à 500 fétichères à Mokili Nyobumba. À cela qui a comme la puissance makasi pour la dominer bateau. Wana vu na yena nzambe ngana bien monté. Et je ne crois pas. Peut-être qu'il a eu des croyances africaines ancestrales. Mais kolobake azalaki mutamela makila, moi je refuse ça. Très bien. Alors c'était juste une parenthèse pour la fonger na canon rapidement qu'on a profité dans aux petits fils et à Mobutu. Alors tout cas rapidement na GBI où il y a groupe, où ils permettre groupe boss international, où ils permettre un abattu bas, ça voyage, et en même temps aussi vente, exploitation, il y a or, coltan et j'en passe. On a évité si on a GBI, Bozali, na niveau ni nipo na, où Itali peut-être vous avez totalisé 4 ans, mais na Israël il a mis dans Moussala. Vous êtes satisfait, Nandé Moussa Lézo Salema? Est-ce que vous avez quelles difficultés dans le compte GBI? Parce que les lots sont entrepreneurs, mais dans le domaine, qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui vous dérange, quelles sont les difficultés? Ok, il y a des difficultés dans le domaine, surtout dans le domaine, il y a matière première. J'ai parlé ça aux autorités compétentes. Il faut qu'on facilite les tâches dans les opérateurs économiques. Comment? Déjà, premièrement, au niveau de la banque, il y a les banques qui ne nous assistent pas. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un compte bancaire à Equity. Equity Bank, compte dans la RPC. Dans le Maroc, j'ai un compte bancaire dans la BMCI, donc Banque Marocaine des Commerces et Industries. Mais j'ai un groupe BNP Paribas. Dans la France, j'ai un BNP. Alors, dans la Belgique, j'ai un compte Moussous. C'est que ce qui va banque ou en agnosso, ou à l'Ibanda, bon, ça a confiance. Moi qui possède un passeport congolais, bon, ça a confiance. Mais comment les banques congolaises, bah, tout senga, bah, condition est belle pour n'avoir pas un crédit pour faciliter une tâche. Pourquoi j'ai demandé de crédit? Je peux donner un exemple. Ce qui est là, dans 200 kilos, il y a or. Il faut l'expédier et qu'il y ait des Belgiques. Il faut payer des taxes. Il y a l'État. La taxe est enregistrée à 500 000 euros. Alors, moi j'ai demandé de passer à la mission à photo les crédits d'impôt. Je vais repasser 3 mois ou bien 1 mois. Ça, la transaction, mais au refus en gros avant 30 jours. Comme ça, permettre un gars, attendez, un bon aussi côté, d'expédier matière parce que le client a tous les langues en Belgique. Dès qu'il est commis, il y a un espace à une semaine, il y a une vérification de la raffinerie en Belgique.
Bah futi ngambongo na zongi pe ngambongo a par transaction bancaire na futi pe na ni taxe na l'état naza clean et faciliter nga tâche business et salami l'état pas une bombe. Mais quand on exige que avant ebima il faut qu'on a foutu à 500 000 ou 2 points à 57 km avec une facture à 207 000 dollars. Est-ce que ça, on a un monté, par exemple. Au moins, vous bloquez. Vous bloquez Nangaï, Nabi non l'État, moi, vous attaquez, c'est mais ça, vous avez une confiance. Parce que c'est un Congolais. Donc, qui m'attend? Attends, on va dans la Belgique. Nous allons faire mal. Nous allons faire société, non, personne physique, mais personne morale. Alors, faites-moi confiance, vous pouvez signer la Kenango. La Teki, dans une semaine, vous pouvez signer la 30 jours. Mais au bout d'une semaine, 14 jours, je viens, je paye. Et puis, on a continué tant que nous avons une réserve. Non, on ne sait pas si on a crédit, on a un pot pour la taxe pour la Kenya avant la Futasima. Donc, si on a une taxe, si on a une trésorerie, on a vendu des colis, on a coupé un million, on a fait la taxe sans passer, sans coder, sans rallonge, tout, on a fait un sursis. On a fait un balamant, quoi. À part ça? À part ça. Comme difficulté? Comme difficulté, il y a des problèmes, il y a corruption. On est venu. Et ça, on a battu une chose basée dans le domaine de la vie, il y a or. Ba mafiza makasi bat bazo ko yiba bat ko escroqué bat na musala oya or ba ko lakso or ngo ta muso o lakso ne chantier ya solo mais tant yo ko ya pona osomba ba changer matière ba komisio ba che ba pesa nga couleur moro doré mais au fond ya mabe yo so zana confiance en dekono congolais ou bien dekono ko sala mabete. Munde la salle de confiance. Tant au coup, non, au coup, non. Bon, heureusement que maintenant, ma méthode de vérification évolue avec, je dis merci avec les services appropriés. Bah, comment qu'on vérifie votre document dans le bureau qu'on avec Kende et quel ministère a mine. Et ça, là, service où il y a inspection. Bah, tu vas revérifier en haut. Donc, n'engage un acheteur, n'a vendeur ou à Kinshasa ou à Congo. Bah, qu'on vérifie avec Kende et Belgique. Bah, on dit, bah, qu'on peut s'en attestation qui est barambou, et ça, on est à Malam. Après, on a quelque chose qu'on vérifie en sous la Belgique, la raffinerie en Belgique. Mais ce que le bateau va travailler dans le service au Rwanda, va être impliqué dans la mafia. Vous imaginez le service compétent de l'État. Il faut vérifier la quantité d'or au PC parce que ça a confiance. Mais vendeur à l'Okuta Rwanda, à PC Kanyaka, il y a ceux qui veulent connaître Malam. Il y a pour ça une confiance. Aujourd'hui, le document attesté que non, 57 kilos dans la zone de la Belgique était à solo. Quand il y a un Malam, il va expédier en avion, on va peut-être avec notre vol. Oui, mais on a le même vol, donc il tient tant comme la Belgique, la société a baillé la douane belge à Zaventem, va récupérer en gros. Nous, on paye la douane, tout ce qu'il faut payer. Donc, il y a une banque qui vendit, dans un rendez-vous dans la raffinerie, tant qu'il y a une raffinerie, il y a non, il y a du fou à l'intérieur. Tu as l'image d'un gars congolais, on dit qu'il y a un peu de kiyombongo. C'est désolant. Parce qu'au bien, il y a un attesté qui document. Ah, mais que non, il est en train de qui vient. C'est grave, hein? C'est grave. Nous avons dit que nous avons un chapeau. Généralement, nous avons un ministre, nous avons un parce que nous avons une corporation à base. C'est grave. Il faut que nous avons un bon. Il y a un moment où nous avons un terrain politique. Parce qu'il y a des gens qui doivent être traduits en justice. Et puis, sérieusement, rigoureusement, c'est qu'au dernier image à Congo, comment un document officiel. Là, il y a un cachet marocain. Mais, il y a un Maroc, il y a un document faux. Bah, caché dans mon Nicolo, l'État est sur vous. Ils ont engagé Mboko dans la banque. Mais ils ont engagé le Maroc. La crédibilité en Mboko. Mais au moins, on a autorité compétente, il y a un service de l'État. A été caché, il y a un document officiel, il y a RDC, mais c'est du faux. Et puis, à l'aise, personne ne peut inquiéter. Est-ce que c'est normal? Un pays sérieux comme les nôtres. Mboba, Bosiakali, on dit. DG, GBI, Togomoke Nasuka. Déjà presque. On a évité la difficulté ou épinglé deux volets. Oui. Corruption, na taxe et na ligne à crédit. Hein. Donc, crédit d'impôt ou bien crédit d'impôt. Crédit d'impôt, crédit d'impôt, on va faciliter tout ça. On va faciliter, Bino. Donc, on va en matière, on va bimina. Kaka wana, ne, ezo tungisa yo. Yakara, yon, ezo tungisa yo. Alors, peut-être, bateau, bazan, na, posinga, yako. Ça là, bah, déplacement, bah, voyage, bazar, bah, l'imbi, bah, meki, bah, coûte un peu de l'esco, n'a pas chance en voyage, bah, ça peut être parce que bah, c'est coquet, bah, tout, et n'a pas tout, bah, dans la peau, ça peut-être, il y a or, coltan et tout ça, comme on a du domaine. Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Est-ce que vous avez une adresse mail ou vous avez
comme ça, une adresse ah. peut-être. On va contacter Ngaï. Adresse Ngaï personnelle, et j'allais dans le téléphone, dans WhatsApp, ils allaient 0033 7 58 42 23 87. 0033 7 58 42 2387, mail Andy, A-N-D-Y, Mboba, M-B-O-B-A, 2017, @gmail.com. Ce qui vaut une adresse physique, il y a mon partenaire, donc Dream Holiday, les agences de voyage, donc M. Shahad Hamad, donc Zala Awana, le 30 juin, donc non loin, na, juste après EcoBank et Kangami Wana. Donc vous pouvez venir à un bureau qui a été. Les bureaux Nangaï actuels, donc nous travaillons en partenariat. L'État Kenga Mopéna a installé un bureau Nangaï. Peut-être que je vais acheter un immeuble, donc voilà. Alors peut-être rappeler le numéro au PSAKIN Mbangu la fois passée, et Batouana Poussanango, surtout Batoua Voyage, Batouana Nangaïbélé, Tabaka Lissolo, pour faire voyager moto, même ceux qui m'ont donné la moyenne, au Koki, au PSAKIN facilité, on a, et à déplacer moto. Et conseil, peut-être, soit comme stable, comme une amour finance, financièrement. Aïe, pour rétrocéder dans GBI. Au petit numéro, Malembe, pour les Mwambangu Mingi, l'autre fois. Au petit numéro, Malembe, Malembe, et Zali, préfixe, il y a France, 0033, au tier 7, 58, 42, 23, 87. Et il y a un numéro, Mouri à Congo, pour les facile, dans le tout, dans la bosse, dans la montée, c'est le numéro de mon père, c'est Laurent Boba. Il y a Pesa WhatsApp, et Zali, 081, 513, 96 77. Donc, ce que vous avez un numéro en France, numéro dans la Kinshasa, dans la zone en Moutou, c'est parce que c'est le numéro RTL. Donc, mais il y a papa dans la Kangon en Moutou. Donc, ce que vous avez papa dans la, vous pouvez m'avoir. Donc, 081 513 96 77. Ou bien il y a monsieur Ahmad, donc mon associé. Numéro Nézali 081 560 01 11. Donc, agence Nézali, agence Dream Holiday. C'est juste après EcoBank, na boulevard du 30 juin. Merci beaucoup, monsieur Andy Mboba Bosiakali. Exactement. Directeur général de GBI, Oyo Bolandi Nabokebi. Et je crois que ça n'est fini pour aujourd'hui. Peut-être pour clore. Oui, pour clore, je dirais, moi, mon conseil, c'est plus au niveau de des entrepreneurs, parce que dans la casquette, on a, il y a chef d'entreprise et puis chef, il y a, en fait, responsable, il y a. Il y a Chambre du commerce, on a monté qui est en France, à niveau à Lyon, RDC France. J'ai travaillé avec Marseille, Paris, Lyon, ainsi de suite. Et maintenant, je l'ai fait avec la Belgique et le Maroc. J'encourage les entrepreneurs. Entreprise à Moukéza Raté. À tout, aux Osomba, aux Tekamaki, ils ont déjà entreprise. En France, il y a ce qu'on appelle les MEDEF. Les MEDEF, ils allient association, il y a entrepreneurs, union sur la France. Balobi qui est MEDEF, c'est les premiers employeurs de la France. Donc, il est qui même l'État français en termes d'employés. Donc, MEDEF, il y a une organisation, il y a un entrepreneur, il y a une force économique qui est quand même l'État français. Donc, si au niveau du Congo, il y a un niveau d'entrepreneuriat, je donne un exemple banal, le chauffeur ou la moto. J'ai vu qu'il y a une moto, il y a diplômé, il y a licencié, il y a compétences intellectuelles, mais il n'y a pas de travail. Oli Aïb, Azana Moisi, Azana Ban, il préfère ça la moto na Yewewa. Comme ça, à la fin de la journée, il est sûr d'avoir un 10, un 20 dollars et qu'on permettre à épargner et puis aller salibotanaï. Donc, entrepreneurs, je vous en conjure. Je vois, il y a beaucoup de conférences qui se passent à Kinshasa pour encourager l'entrepreneur. Allez-y, suivez ma formation, Wana. Faites quelque chose parce que. Causer la carte, tu vas payer ça dans l'État. Si vous avez longtemps, peut-être vous souhaitez. Mais si tu entreprends quelque chose, tu as un peu, donc ça te permettra de se valoriser et permettre à toi aussi rare chaussure. Mais au moins 3000 francs, 5000 francs, parce que tu as un peu chaussure. Si vous avez un peu de temps, tu as tiré 1000. Ou comme la gombe, tu as tiré la cabelle de 5000. Tu as un peu de chaussure, tu as 1000 francs. Mais Nathalie, moi, on a 1000 francs ensemble. On est. N'a pas payé 5 000 parce que nous avons 5 000 francs. Donc, à 4 000 de plus, et que nous avons un peu de temps. Donc, autant faire quelque chose et que permettre aux à la autosuffisance personnelle, et puis tu ne seras pas tenté. Et puis, quand tu fais un travail en tant qu'entrepreneur, na 4-4 dans Moussa, na yo, au sein de la relation, la connaissance, mais que permettre d'évoluer. Nous avons un entrepreneur. J'ai commencé dans un domaine quelconque.
Mais à force, il y a qu'au côtoyer des autres entrepreneurs, j'ai des nouvelles idées et ça permet que je puisse m'agrandir. Donc, les locaux de l'Azou estimé, peut-être sous Nzambasanga grâce, non, ça fait compagnie à rien. Parce que je vois des gens maintenant, des entrepreneurs qui m'ont dit, on dit on peut te financer, tout ça dans une compagnie d'aviation. Moi, ça me dit, j'ai dit, ok, je suis partant. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé quelque part. Voilà, merci. Merci, M. Ndi Mboba Boussakali, qui est le DG de GBI. Voilà, donc vous avez suivi Bobenga pour avoir de plus en précisions. Nous vous remercions et nous pensons vous retrouver très prochainement. Merci à toute l'équipe de nous motiver. Vous aime beaucoup. Ciao.